Salut, bienvenue à la douzième partie qui débute avec le Paléocène, donc la période entre 65 et 55 millions d'années. Notre ère géologique actuelle se nomme le Cénozoïque. Elle débute au lendemain de l'extinction massive qui emporta près de 90 des êtres vivants sur la Terre, il y a de cela 65 millions d'années. Cette catastrophe, bien qu'elle ne soit pas la plus terrible de toute notre histoire, figure quand même parmi les sept plus importantes connues. Certaines espèces s'accrochent à la vie grâce à quelques individus amochés, comme les mammifères monotrèmes et marsupiaux qui frôlent l'extinction alors que d'autres familles, n'ayant plus aucun représentant vivant, sont entièrement éradiquées. Les dinosaures, après 150 millions d'années de règne ininterrompu, disparaissent complètement, laissant alors un immense vide à combler dans la nature, dont entre autres toutes les niches écologiques dominantes. La catastrophe entraîne un refroidissement planétaire soudain. Puis, après une dizaine d'années, soit un délai quasi instantané en géologie, le climat redevient chaud et les plantes se répandent à nouveau. Par contre, ce n'est plus la même flore qui domine. Celle qui persistera jusqu'à nos jours est complètement différente. Ce sont des plantes à fleurs. Et puisque leur mode de reproduction est souvent intimement lié aux insectes pollinisateurs, l'expansion de ces plantes entraîne nécessairement une prolifération d'insectes, qui entraîne à leur tour une abondante diversité de mammifères insectivores. À la fin du Paléocène, en passant, le mot « paléocène » est composé de deux mots grecs qui décrivent les espèces retrouvées à cette époque. Le mot « paléo » veut dire « ancien » et le mot « scène » veut dire « nouveau ». Il s'agit donc, littéralement, de nouvelles espèces anciennes. Donc, à la fin du paléocène, à peine 10 millions d'années après la catastrophe, le visage de la Terre n'aura plus rien à voir avec le règne des dinosaures. On dit parfois que la nature n'aime pas le vide. Or, très rapidement... Toutes les niches écologiques vacantes sont à nouveau occupées. Avant l'ère du Cénozoïque, les mammifères étaient déjà très diversifiés et certaines espèces profitaient du fait que les animaux au sang froid sont frappés de léthargie pendant la nuit pour manger des insectes, des œufs et même des bébés dinosaures. Avec cette nourriture plus nourrissante que les végétaux, une partie de leur supplément d'énergie peut aider à développer leur cerveau. Quelques années après la catastrophe, nous pouvons imaginer que l'abondance soudaine d'insectes permet aux insectivores de s'en sortir plutôt bien. Le cerveau est un organe étrange puisqu'il s'agit d'un réseau de neurones, donc composé de milliards de cellules simples. Par définition, seuls les organismes multicellulaires peuvent en avoir un, ce qui n'implique nullement que tous les organismes multicellulaires ont nécessairement un cerveau. Les plantes et les champignons, par exemple, n'en ont pas. Avoir un cerveau semble être exclusif au royaume animal, quoique tous les animaux n'ont pas nécessairement un cerveau. À la base, le cerveau semble servir à coordonner un organisme complexe grâce au système nerveux. Le cerveau serait alors une réponse de certains animaux afin de mieux se mouvoir, mieux diriger leurs gestes et mieux réagir à leur environnement. Il est difficile de se prononcer sur les méduses, puisque leur cerveau ne semble être qu'une convergence du système nerveux. Mais en ce qui concerne les arthropodes, dont entre autres les insectes, ces derniers possèdent bel et bien un cerveau, aussi primitif soit-il. Plusieurs arthropodes ont des yeux pour détecter la lumière, des antennes pour détecter les odeurs, et ainsi de suite. Peu à peu, chez les vertébrés, et plus particulièrement chez les poissons, le cerveau que nous associons à l'intelligence a grossi et s'est développé en se complexifiant. Si l'on doit comparer un cerveau de poisson à un cerveau de reptile, nous devons avouer qu'ils sont relativement équivalents remplissant tous les besoins essentiels. Même les énormes dinosaures n'avaient pas tellement besoin de plus. Le cerveau primitif, parfois appelé cerveau des reptiles, traite la faim, la soif, les besoins sexuels de reproduction, la peur, le plaisir, la douleur, les instincts. Chez les oiseaux et les mammifères, une deuxième sorte de couche, plus complexe, semble s'être développée afin de traiter les comportements sociaux, le chant, le partage, la préparation du nid et le soin des petits. Donc, de la recherche de nourriture. Encore aujourd'hui, nous ne savons pas comment définir l'intelligence, et nous avons encore terriblement de difficultés à l'évaluer à la fois chez l'homme et chez les autres animaux. Bien sûr, la taille joue un certain rôle en offrant plus de neurones. Et toute proportion gardée, les mammifères ont les plus gros cerveaux de tous les animaux. Mais nous savons maintenant qu'un gros cerveau n'implique pas nécessairement plus d'intelligence. Depuis plusieurs décennies, de nombreux psychologues affirment qu'il existe en fait plusieurs sortes d'intelligence. Selon les auteurs, les sortes d'intelligence peuvent varier. On parle d'intelligence logique, d'intelligence technique, verbale, émotive, visuelle, sociale, et ainsi de suite. Il y en a beaucoup d'autres. En général, les mammifères donnent l'impression d'avoir quelque chose de plus que les reptiles. Nous avons l'impression qu'un chien ou un cheval possède des émotions plus développées qu'un poisson ou un serpent. Il s'agirait d'une troisième couche cognitive du cerveau permettant une pensée abstraite. Cette dernière couche se serait développée beaucoup plus vite chez les primates que chez les autres mammifères. Au début du Paléocène, la plaque tectonique de l'Australie se détache de l'Antarctique et sa faune dérive alors en vase clos, c'est-à-dire quelques marsupiaux et les derniers représentants monotrèmes. Éventuellement, l'homme moderne sera le premier mammifère placentaire à fouler le sol australien. De son côté, l'Amérique du Sud se détache de l'Antarctique quelques millions d'années plus tard et elle dérivera avec ses marsupiaux pendant 60 millions d'années avant de se rattacher à l'Amérique du Nord. Où sont nos ancêtres du Paléocène? Ce sont définitivement des mammifères, mais ils n'étaient ni des monotrèmes ni des marsupiaux. Conséquemment, aucun des continents du Sud, que nous venons de nommer, ne joue un rôle dans l'évolution de notre lignée, du moins pas avant l'arrivée des hommes modernes. L'être humain est un mammifère placentaire, comme tous les animaux ayant évolué en Amérique du Nord, en Afrique, en Europe et en Asie. Cela dit, nous ne pouvons pas être descendants de n'importe quel placentaire de cette époque. Nous n'avons pas de large molaire pour broyer les végétaux, comme les bœufs. En fait, notre mâchoire est dérivée des insectivores. Plus précisément, nos ancêtres sont issus du groupe de mammifères placentaires du Crétacé. Ce groupe engendre notamment la lignée des carnivores, donc aux dents pointues et recourbées vers l'intérieur de la bouche. Et puisque notre groupe deviendra des primates à la fin du Paléocène, les espèces qui retiennent notre attention au début de cette période vivent déjà nécessairement en milieu boisé. Ce groupe, parfois nommé Arconta, englobe plusieurs ordres, dont les plus anciens spécimens conservent des allures de rongeurs. Alors, on parle de rongeurs, donc de souris, de hamsters, de castors et d'écureuils. On parle de lagomorphes, donc des lapins et des lièvres. Des taupidés, donc des taupes. Des chiroptères, donc des chauves-souris. Des xénartres, comme les tatous, les fourmiliers et les paresseux. Et bien sûr, des œufs primates, donc les futurs primates et autres plésérapiformes. Pendant que les herbivores et les carnivores se disputent les milieux ouverts, le groupe Arconta en profite pour s'adapter à la vie en forêt. Ces espèces partagent des traits communs au début du Paléocène, comme par exemple leur aisance à se redresser sur leurs pattes de derrière pour grimper. Et ils vont rapidement se diversifier dans les multiples forêts de la Terre, surtout en régions tropicales et subtropicales, c'est-à-dire là où les arbres sont abondants. Le succès rapide des chauves-souris est impressionnant. Quelque part sur le territoire de la Chine, ils développent leurs ailes, mais aussi leur ouïe ultra-sensible pour s'orienter par le son. Pouvant ainsi éviter complètement les oiseaux qui dominent toutes les niches de jour. Avant la fin du Paléocène, il y aura des centaines d'espèces de chauves-souris partout sur la Terre. Nous trouvons aussi des dermoptères, sortes d'écureuils planeurs qui pourraient ressembler à la fois aux ancêtres des primates et des écureuils, c'est-à-dire qu'ils sont adaptés à grimper aux arbres et à se déplacer en sautant de branche en branche. On retrouve aussi des toupailles, que nous classions autrefois, à tort, parmi nos ancêtres. Plésiadapiformes. En passant, le terme plésiadapiformes se traduit par qui précède les adapidés. Alors, les plésiadapiformes sont des mammifères très diversifiés composant environ cinq grandes familles d'espèces, ou jusqu'à sept selon les méthodes de classification. Et plusieurs ont des caractères pouvant mener aux primates, sauf que leur place dans notre lignée est peu probable. Ces petits quadrupèdes vivent dans les arbres, ont des dents d'insectivores adaptées à une alimentation de fruits et semblent se mettre debout de temps en temps, comme par exemple pour grimper aux arbres. Quoique ce ne soit pas le cas de tous les plésiadapiformes. Quelques espèces sont mieux adaptées à la vie terrestre et partagent même des traits avec les rongeurs, comme par exemple les incisives à croissance continue. C'est ce dernier détail qui incite les paléontologues à croire qu'ils auraient plutôt un ancêtre commun avec les dermoptères ou avec les rongeurs. L'adaptation à la vie dans les arbres, chez certains plésiadapiformes, aurait simplement eu tendance à évoluer dans la même direction que les primates. Dès leur apparition, les plésiadépiformes se répandent sur tous les continents du Nord, donc l'Europe, l'Asie et l'Amérique du Nord. La présence des plésiadépiformes sur tous ces continents implique qu'ils se touchaient encore. En se répandant sur ces continents, ils font disparaître progressivement les autres espèces qui vivaient dans les arbres. Pour le moment, les ancêtres des primates du Paléocène nous échappent totalement. La tentation de placer les plésiadépiformes parmi nos ancêtres est très forte sauf que la plupart d'entre eux vivaient en Amérique du Nord ou en Europe, tandis que les primates semblent émerger d'abord en Afrique ou en Asie. Sans doute, nous pouvons encore espérer trouver un jour de meilleurs fossiles. Le plus ancien primate connu, dont le statut demeure contesté, est un fossile d'Altiatlasius, c'est-à-dire quelques dents. Ce fossile a été retrouvé au Maroc et daterait de 58 millions d'années, soit au début de la seconde moitié du Paléocène progressivement, la plaque tectonique du continent européen se détache de l'Amérique du Nord pour se diriger vers l'Asie. Nous ne savons pas exactement combien de temps ont duré les passages, mais la présence de fossiles communs implique que les échanges de faune eurent bien lieu à cette époque entre l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Afrique. Alors, parlons maintenant des primates. L'ordre des primates désigne un groupe de mammifères adaptés à vivre dans les arbres. Ils ont des ongles, plus pratiques que les griffes pour grimper, des mains préhensibles pour empoigner les branches, et leurs cerveaux sont plus gros. Par rapport à leurs ancêtres insectivores, ils n'ont plus que deux incisives, au lieu de trois. En passant, les incisives sont les dents tranchantes au devant de la mâchoire. Un autre caractère important des primates, ils ont des yeux placés un peu plus vers l'avant du visage, perdant ainsi une partie de leur vue périphérique en échange d'une meilleure perception de la profondeur. Un avantage indéniable lorsqu'on saute de branche en branche d'autres traits comme la forme du crâne, le talon et les mains sont aussi de bons indices pour identifier un primate, sauf qu'à ces époques lointaines, il est rare de trouver autre chose que des dents. Et nous ne savons pas comment le reste du corps évolue vraiment. Les premiers primates, en passant le mot primate veut dire premier, donc dire les premiers primates revient à dire les premiers premiers. Alors les premiers primates apparaissent incontestablement à la fin du Paléocène. Et même si nous n'avons pas encore de fossiles officiels de la révolution ancienne à part peut-être Altiatlasius, leur origine doit presque nécessairement remonter autour de 60 millions d'années, peut-être même un peu avant. Pour le moment, nous ne savons rien des ancêtres des primates. Alors qu'est-il arrivé aux pliésiopithèques Lorsque le Paléocène se termine, vers 55 millions d'années, le climat se réchauffe un peu plus, et même s'ils n'ont jamais été abondants en Asie et en Afrique, on en retrouve quelques uns sur tous les continents du Nord pendant encore de nombreux millions d'années. Ils étaient pourtant bien partis, avec leurs dents adaptées à un régime de fruits et leur capacité à se tenir à la verticale pour grimper. Malgré tout, ces pauvres plaisirs ne font pas le poids contre leurs compétiteurs primates. Tandis qu'au sol, désormais mieux adaptés à leur nouvelle niche, les rongeurs et les autres animaux occupent déjà la place. Progressivement donc, les plaisirs vont tous s'éteindre. Tout au long de l'éocène, la période suivante, les primates deviennent les nouveaux maîtres des arbres. Il s'agit en fait de deux groupes dominants, les adapidés et les Homomyidae. Ils sont originaires, jusqu'à preuve du contraire, de la jonction Europe-Asie-Afrique. Certains parlent déjà d'un troisième groupe de primates, encore contesté, qui se nomme les pétrolimuridés. Pour le moment, nous n'avons pas vraiment fouillé l'énorme continent asiatique et, de manière générale, nous avons encore très peu de fossiles pour cette période. Le cas des pétrolimuridés, situé en Asie du Sud-Est, donc en Chine, montre bien qu'il nous manque encore plusieurs morceaux. Disons simplement que, pour le moment, les adapidés et les homomidés sont mieux connus et que leurs traits semblent plus avancés que ceux des espèces asiatiques. Alors, commençons maintenant l'éocène, qui dure de 55 millions à 34 millions d'années. C'est la période où s'épanouissent les primates. L'éocène, en passant le préfixe « éo » veut dire « origine ». Donc l'Éocène est la période la plus chaude de l'ère du Cénozoïque. Les forêts tropicales prennent de l'expansion et les primates en profitent pour se répandre partout en se diversifiant. Les fossiles de rongeurs et de primates, trouvés à la fois en Afrique et en Europe, permettent de croire que les deux continents se sont touchés temporairement. Comme à chaque fois, ces échanges de fonds vont brouiller les pistes de l'évolution des espèces. Ici, les spécialistes semblent pencher en faveur d'une origine africaine des primates. Ironiquement, Quelques auteurs européens qualifient l'éocène de grande coupure pour l'Europe. En se détachant de l'Amérique du Nord, l'Europe dérive en île continent jusqu'à ce qu'elle touche l'Asie à la fin de l'éocène. Mais chemin faisant, l'Europe touche aussi occasionnellement à l'Afrique. Au cours de l'éocène, donc, la faune européenne aura été en contact avec celle de tous les autres continents du Nord. Alors, grande coupure, si on veut. Pendant ce temps, L'Amérique du Sud et l'Océanie dérivent en vase clos avec leurs mammifères marsupiaux. Dès le début de l'Éocène, on retrouve des primates en Asie, en Europe et en Afrique, mais aussi en Amérique du Nord, et en quelques 20 millions d'années, leurs descendants seront les seuls quadrupèdes à dominer les arbres. Chez les autres mammifères arboricoles, quelques-uns apprendront à vivre la nuit, pendant que les autres, les toupailles, les plisadapiformes, les dermoptères et ainsi de suite, régressent ou s'éteignent. Certaines espèces de plésilipiformes vont réussir à s'accrocher jusqu'au tour de 30 millions d'années en Amérique du Nord. Mais dans l'ensemble, et encore aujourd'hui, peu d'espèces peuvent résister à la compétition des primates. Dans les arbres de l'Éocène, les rois incontestés sont les adapidés et les homomyidés, avec des incisives adaptées à trancher les fruits, un meilleur sens de l'équilibre par les oreilles, et des yeux plus en avant pour sauter de branche en branche avec aisance. Les primates actuels sont classés entre strepsyriniens ou aploriniens, ou encore entre prosimiens et simiens. Donc, ils sont classés selon leur anatomie et leur physiologie. Le nez des strepsyriniens, par exemple, forme une sorte de triangle qui reste humide, un peu comme un nez de chien. Aujourd'hui, il ne reste pratiquement que les lémures, isolés sur l'île de Madagascar, qui ont de tels nez, tandis qu'à l'Éocène, en plus des lémures anciens, on retrouvait d'autres adapidés sur tous les continents du Nord, donc surtout en Amérique du Nord et en Europe. L'autre groupe, les apluriniers, ont un nez fait avec la même peau que le reste du visage. Et ce groupe englobe les tarsiiformes, les tarsiers, les homomieiformes et les futurs anthropoïdes. En passant, les anthropoïdes sont des singes à l'allure plus humaine. Alors, que conclure de cette classification Le premier groupe engendre-t-il le second ou vice-versa Ont-ils pu évoluer en parallèle Peut-être. Que dire alors d'un cas ambigu comme les tarsiers dont le nez nous ressemble, tandis que le reste de leur anatomie les rapproche des strepsyriniens. N'oublions pas que nos critères sont basés sur les espèces actuelles. Alors, nous ne pouvons tout simplement pas aller très loin dans nos déductions sur les primates anciens tant que notre portrait sur ces espèces ne sera pas plus complet. Aujourd'hui, les tarsiers et les lémures sont nos plus proches cousins primates encore vivants, et les tarsiers, déjà, semblent être une exception à notre règle de classification. Ces derniers pourraient être inclus avec les homomyidés, puisqu'ils apparaissent à peu près en même temps, mais leur évolution se serait détachée très tôt des primates, sans doute avant la fin du paléocène. Les lémurs anciens, eux, étaient possiblement rattachés aux adapidés, mais ils sont difficiles à identifier puisqu'ils ne ressemblent pas encore aux lémurs modernes. Les lémuriens se diversifient un certain temps, puis, lorsque la compétition des vrais primates devient trop forte, ils s'éteignent presque tous. Seuls les lémurs qui se retrouvent isolés sur l'île de Madagascar donc à l'abri de la compétition des primates, vont survivre jusqu'à nos jours. L'origine des adapidés et des homomyidés est encore incertaine, et les fossiles découverts récemment en Asie, donc les éosimias, justifient sans doute la création d'un troisième groupe de souches asiatiques. L'évolution des primates est donc beaucoup plus complexe que nous l'avions imaginé il y a quelques décennies. Quelles espèces sont nos ancêtres directs Nous ne pouvons encore rien conclure hors de tout doute à part que ce sont tous maintenant d'incontestables primates aux aspects moins primitifs que les pétrolimuridés du paléocène. Et bien sûr qu'ils se répandent rapidement sur tous les continents du Nord. Essentiellement, les primates sont plus diversifiés que les plies érapiformes et les plus gros spécimens pèsent déjà quelques kilos. Le groupe des homomidés est possiblement le plus diversifié de l'éocène, avec une trentaine de genres différents. N'oublions pas que les genres servent à regrouper de nombreuses espèces. Leurs dents Mieux connus que le reste, vont se modifier en fonction de leur alimentation, Donc, la largeur des prémolaires, la longueur des canines, et ainsi de suite. La grande famille des adapiformes inclut aussi une trentaine de genres, dont le genre adapidé. Mais ils sont un peu moins diversifiés que les homoméidés. La plupart proviennent d'Europe ou d'Amérique du Nord. Notons encore une fois que ces deux grandes familles englobent présentement des fossiles asiatiques qui risquent de changer de groupe. Car la classification de ces espèces risque de changer lorsque les fouilles en Asie révéleront suffisamment de nouvelles espèces. En général, les primates vivent dans un environnement complexe, principalement en régions tropicales ou subtropicales, et ils sont presque tous adaptés à la vie dans les arbres, quoique certaines grosses espèces vivent déjà en lisière des forêts ou dans des savanes boisées plus ou moins ouvertes. En plus de leurs quatre membres préhensibles, dont les mains et les pieds, ils ont aussi des ongles et sont devenus d'excellents sauteurs ce qui sera moins le cas chez les grands singes africains de l'oligocène ils ont les yeux plus rapprochés donc une vision stéréoscopique qui leur permet de mieux évaluer les reliefs et les profondeurs même si les petits spécimens ont nécessairement un petit cerveau toutes proportions gardées les primates ont le plus gros cerveau de tous les mammifères est-ce possible que cette augmentation de la taille du cerveau soit pour mieux traiter les informations visuelles peut-être mais ces genres de liens simplistes de cause à effet sont toujours hypothétiques par leur manque de preuves. La mâchoire de base des primates est une mâchoire d'insectivores de 44 dents. Si l'on compte les dents à partir de l'avant en allant vers l'intérieur de la bouche, notons ici que le côté droit de la mâchoire est un miroir du côté gauche et que les dents du haut sont des miroirs des dents d'en bas. Donc si on ne compte que les dents d'un seul côté en partant de l'avant, les insectivores ont trois incisives, une canine, 4 prémolaires et 3 molaires, donc 3, 1, 4, 3. Les singes dits cathariniens, qui apparaissent vers la fin de l'Éocène, n'auront plus que deux incisives, une canine, 2 prémolaires et 3 molaires, donc 2, 1, 2, 3. En général, tout au long du Cénozoïque, les mammifères auront tendance à diminuer le nombre de leurs dents, pendant que la morphologie, la forme, aura tendance à se complexifier en fonction de leur alimentation. Évidemment, nous n'avons pas assez de fossiles pour suivre l'évolution de la dentition d'une seule et même espèce à travers le temps. Mais dans l'ensemble, les nouveaux groupes de primates ont clairement réduit leur nombre de dents. Au cours de l'Éocène, certains primates ont développé des canines puissantes pour percer la peau coriace des fruits. Ces longues canines nécessitaient un trou entre les dents afin de pouvoir fermer la bouche. À l'occasion, du haut des branches, les primates ont pu voir des herbivores évoluer non loin des arbres. Par exemple, la lignée des Iracotheriums, qui vivent dans les plaines du Nord, sont les ancêtres des tapirs en Europe et des chevaux en Amérique du Nord, tandis que leurs cousins du Sud engendrent déjà les rhinocéros des régions tropicales. Pour le moment, le climat chaud de l'Éocène favorise une végétation riche qui avantage cette lignée d'herbivores. Pendant ce temps, les ruminants attendent patiemment leur tour. Comme l'ont fait les reptiles avant eux, c'est au tour des mammifères de retourner dans l'eau. C'est-à-dire que quelques espèces vont pouvoir rivaliser les requins. Les ancêtres des baleines, à cette époque, sont déjà énormes et ne peuvent plus se déplacer hors de l'eau. Parlons maintenant des singes similiformes et anthropoïdes. Les premiers vrais singes, les similiformes, émergent des primates vers le milieu de l'Éocène et nous ne sommes dès lors plus en présence de petits êtres habiles à grimper aux arbres et fortunés d'y manger le meilleur les fruits. Les singes sont les véritables rois des arbres parce qu'ils sont de loin mieux adaptés que tous leurs compétiteurs directs. Ils ont des yeux bien en avant et ils obtiennent une excellente perception de la profondeur, des formes, des textures et des couleurs. Les singes sont plus gros que les primates et puisqu'ils sont souvent assis, ils ont une tête alignée sur la colonne. C'est une morphologie unique chez les mammifères et elle pourrait avoir contribué à développer un plus gros cerveau tout simplement parce qu'une grosse tête requiert plus d'efforts à soutenir à l'horizontale qu'une tête en équilibre vertical. Les singes n'ont pas de poils sur le visage. Ils peuvent alors mieux communiquer à l'aide d'expressions faciales variées, qui combinent avec des sons et des cris. Bien sûr, leur vie sociale n'a laissé aucun fossile, donc nous n'avons aucune preuve, mais nous pouvons certainement imaginer ces groupes de singes anciens ayant des interactions complexes telles nos petits singes actuels. Avoir une grosse tête impose un handicap, puisqu'un gros cerveau est plus long à développer et la grossesse doit s'allonger en conséquence, ce qui entraîne un coût métabolique de reproduction plus élevé chez les femelles. Autrement dit, les femelles des singes ne devaient plus avoir qu'un seul bébé à la fois, dépensant déjà beaucoup d'énergie pour nourrir et déplacer un seul fœtus. La période d'apprentissage des bébés s'allonge et l'adolescence arrive plus tard. En revanche, ils vivent plus longtemps c'est-à-dire au-delà de la période active de reproduction. Malgré quelques traits primitifs comparés à leurs contemporains, les Eosimias asiatiques, vers 45 millions d'années, seraient assez anciens pour engendrer les premiers singes africains 10 millions d'années plus tard. Certains leur trouvent même plusieurs traits pouvant mener au futur Oligopithecine et Propiopithèque. Naturellement, les candidats deviennent plus nombreux vers la fin de l'éocène, comme par exemple Amphipithecidae, qui vivait dans le sud-est asiatique, ou Algeripithecus minutus, du nord africain, qui ressemble aussi au futur Propliopithèques. Alors, qui sont les premiers singes? Nos fossiles sont encore trop fragmentaires et se résument encore trop souvent à quelques dents, nous empêchant de suivre l'évolution de tous les traits menant aux singes chez une seule et même espèce. N'oublions pas non plus que les mêmes traits peuvent apparaître chez différentes espèces vivant à différents endroits. Quelles sont leurs origines? Où apparaissent-ils? En Asie? En Afrique? C'est toujours le même problème. Sur chaque continent du Nord, nous avons trouvé des fossiles de primates avec des traits primitifs pouvant mener vers les singes. Et après leur radiation, en passant, le terme radiation décrit une population d'espèces qui se diversifie en prenant de l'expansion sur un territoire. Alors, après la radiation des premiers singes, vers la fin de l'Éocène, ils occupent l'Europe, l'Afrique et l'Asie. Donc, impossible de suivre leurs traces avec précision. Avons-nous au moins une vague idée duquel pourrait être notre ancêtre Après tout, l'être humain ne descend pas de n'importe quel singe. À cette fin, nous réservons le terme anthropoïde pour les espèces de l'époque qui ressemblent plus à l'homme. Ils sont plus gros, donc leur cerveau est nécessairement plus gros que la moyenne ils vivent en groupe et certaines espèces n'ont déjà plus de queue. Au-delà de cette classification vague, nous ne pouvons pas savoir quelles espèces anciennes engendrent les espèces plus récentes. Au début de l'Oligocène, la période suivante, les anthropoïdes seront déjà classés en trois groupes, et déjà, chaque groupe sera très diversifié. Alors, parlons maintenant de la fin de l'Éocène. La période la plus chaude du Cénozoïque se termine par la pire crise depuis l'extinction des dinosaures. Il ne s'agit pas d'une extinction massive, mais plutôt d'un refroidissement planétaire important, dont nous ignorons totalement la cause, et qui aurait duré entre 1 et 3 millions d'années. Les sites d'impact de météorites connus, qui pourraient concorder dans le temps, sont trop petits. Un refroidissement planétaire, donc, est une mauvaise nouvelle pour les primates, puisqu'ils vivent dans les forêts tropicales et subtropicales. Mais pour les espèces vivant plus au nord, c'est le début de la fin. Toutes les espèces d'Amérique du Nord et d'Europe disparaissent complètement. Pendant qu'en Asie, les seuls survivants, les tarsiers, les homomiformes, les adapiformes et quelques espèces de singes, se retrouvent isolés au sud-est du continent. Cette fois, il n'y a pas de doute. L'Afrique devient le refuge idéal des singes, sans quoi cette période d'extinction de la fin de l'Éocène les aurait pratiquement tous exterminés. Pendant les refroidissements importants, l'eau des océans qui retombe en neige près des pôles s'accumule progressivement en formant de vastes glaciers. Cette eau, qui ne retourne pas dans les océans, contribue parfois à faire diminuer suffisamment le niveau de la mer pour ouvrir un passage vers un autre continent. Désormais, le pont vers l'Amérique du Nord se fera via l'Alaska, donc tout près du pôle Nord. Or, puisque les primates et les singes sont amateurs de climats chauds, ils ne feront plus partie des immigrants. En fait, depuis l'extinction de l'Éocène, aucun primate ne foulera le sol de l'Amérique du Nord avant l'homme moderne. La grande mer Tétis et la mer de Pologne entre l'Afrique, l'Europe et l'Asie, s'assèche en ouvrant le passage aux déplacements de rhinocéros, ruminants, anthracotères, lapins, rongeurs, serpents, etc., etc., etc. En Afrique, les espèces du Nord ressemblent aux espèces européennes, mais les contacts, c'est-à-dire Maroc-Espagne ou Algérie-Italie, les contacts entre ces deux continents deviennent de plus en plus rares. Dorénavant, les passages se feront plutôt entre l'Afrique et l'Asie, mais ils resteront encore très occasionnels. Après cette crise, le climat redevient plus chaud, les glaciers fondent et le niveau d'eau remonte, réduisant du même coup l'espace habitable. La mer Tétis empêche alors nos ancêtres anthropoïdes africains de quitter le continent pendant les prochains 15 millions d'années. Et comme les piésiadapiformes avant eux, c'est au tour des primates de devoir s'adapter à la vie nocturne pour éviter la nouvelle compétition. Tous les autres qui vivent de jour se font déclasser par les singes, qui sont plus gros, plus intelligents et mieux adaptés. Donc toutes les autres formes de primates et de petits singes disparaissent progressivement. En résumé, le Cénozoïque commence tout de suite après l'extinction massive qui élimine tous les dinosaures, et libère ainsi les niches écologiques dominantes pour les mammifères, qui, en peu de temps, se répandent et se diversifient abondamment. Nous avons vu que les plantes à fleurs remplacent les anciennes gymnospermes, en entraînant une prolifération d'insectes pollinisateurs. Les primates, issus d'un groupe de mammifères insectivores, profitent alors d'une alimentation riche en énergie, donc des insectes, mais mangent aussi des bourgeons et des fruits, plus nourrissants que les feuilles des arbres. Les petits archontats du début du Cénozoïque se sont répandus en se diversifiant avant de se faire déclasser par les plisiapiformes. Ensuite, les plisiapiformes se répandent et se diversifient, puis se font tasser à leur tour par les primates. Il faudra s'y faire, tout au long du Cénozoïque, nous verrons des nouvelles espèces émerger, toujours plus proches de nos ancêtres, mais à chaque nouvelle étape, les nouvelles espèces entraînent la régression, puis l'extinction de nos meilleurs espoirs de l'époque précédente.